أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation au degré le plus complet et le plus parfait soient accordés à notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: Iqtarabat al-sa'at wa anshaq al-qamar. Surat al-qamar, aya 1. Ce qui signifie: l'heure du jugement est devenue proche et la lune s'est fissurée. Surat al-qamar, aya 1. Donc ceci fait référence en fait au miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où la lune s'est divisée en deux pour lui. Donc ceci, donc à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: Yas'alunaka 'anis-sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha. Donc sourate An-Nazi'at. C'est-à-dire, il te demande quand est-ce que l'heure du jugement de la fin du monde. Fima anta min dhikraha, c'est-à-dire tu n'en as pas connaissance. Et dans une autre aya, qul 'ilmuha 'inda rabbi, c'est-à-dire dit ce qui signifie donc dit seul Allah sait cela, seul Allah sait cela, nul autre que Allah ne sait cela, donc l'heure exacte du jour du jugement de la fin du monde. Donc sachez que le jour dernier n'aura lieu qu'après l'advenue des signes de la fin du monde, des petits et des grands signes. Donc ainsi, dans le hadith, appelé le hadith de Jibril, où Jibril posait des questions au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète répondait pour que les compagnons apprennent en fait la religion. Parmi ce qu'il lui a posé comme question, il a dit « Akhbirni ani sa'a », c'est-à-dire « Apprends-moi l'heure de la fin du monde ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: c'est-à-dire, celui qui est interrogé n'en a pas plus de connaissances que celui qui interroge. Donc lui a dit: Akhbirni an amaratiha. Donc notre maître Jibril, alayhi salam, lui a dit ce qui signifie: apprends-moi sur ces signes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: An talid al amatu rabbataha, ay sayyidataha. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. C'est-à-dire que la femme donne naissance à celle qui sera sa maîtresse, et que tu vois ceux qui étaient bergers, qui marchaient pieds nus, qui étaient pauvres, construire en hauteur. Et ceci est advenu. Et parmi ces signes, donc la disparition de montagnes de leur endroit, et beaucoup de tremblements de terre, et beaucoup de maladies que les gens ne connaissaient pas auparavant, et beaucoup de charlatans et de mauvais orateurs qui donnent des discours dans le faux, et ceci est advenu. Ainsi, beaucoup de nos jours, ils parlent au nom de l'islam, ils prennent la parole au nom de l'islam, et ils appellent à des choses contraires à l'islam, contraires au Coran et à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce que le prophète a enseigné. Donc l'exemple de cela, donc il y a des gens donc qui assimilent Dieu à ses créatures, qui attribuent à Dieu la ressemblance aux créatures, et ceci est de la mécréance comme on sait, car Allah Ta'ala n'a aucune ressemblance avec ses créatures, et c'est la croyance des prophètes, c'est la croyance des gens du paradis, c'est la croyance de tous les prophètes, ils ont enseigné la religion de l'islam, du premier Adam au dernier Muhammad, tous ils ont enseigné que Dieu il est unique, qui n'a pas d'associé, qui n'habite ni les cieux ni la terre, qu'il existe sans endroit et sans comment et ne dépend pas du temps. On ne dit pas où, ni quand, ni comment à son sujet. On dit qu'il est sans endroit et sans comment. Dieu a créé les cieux, la terre, le trône, l'endroit, le paradis, l'enfer, a créé toutes choses et il existe avant les créatures, sans les créatures, et après qu'il a créé les créatures, Dieu ne change pas. Donc celui qui attribue à Dieu l'établissement, le changement, la localisation, les organes, la couleur, tout ce qui est des attributs des créatures, il est mécréant.
Donc, il y a des charlatans qui parlent en islam, qui attribuent à Dieu la ressemblance aux créatures. Allah dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay, c'est-à-dire rien n'est tel que lui. Et il dit aussi, Walam yakullahu kufuan ahad, c'est-à-dire il n'a aucun équivalent. L'imam Ahmad ibn Hanbal a dit, Mahma tasawwarta bi balik, fallahu bi khilafi dhalik, c'est-à-dire quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu en est différent. Quoi que tu imagines, Allah en est différent. Donc on ne dit pas je ne sais pas comment est Dieu, on ne dit pas je ne sais pas où est Dieu, on ne dit pas que Dieu est partout, on dit qu'il est sans endroit et sans comment et ne dépend pas du temps. Rien n'est tel que lui et rien n'a de ressemblance avec lui. Abu Ja'far al-Tahawi a dit, un savant de l'islam, Tahawi c'est Taha qui est un village en Égypte, qui est né en 227 de l'Hégire, a dit وَمَنْ وَصَّفَ اللَّهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. C'est-à-dire, et celui qui attribue à Dieu un des sens des humains, certes, il est devenu mécréant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ. C'est-à-dire, Dieu existe de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Seul Dieu est exempt des débuts et n'a pas de début à son existence. Donc c'est la croyance qu'enseignaient tous les prophètes du premier Adam au dernier Muhammad. Tous ils ont enseigné l'islam, qui est l'unique religion valable et l'unique religion céleste. La différence entre eux, c'est qu'ils ne sont pas tous arabes, donc, et les lois ont changé aussi, comme le nombre de prières, la zakat. Mais tous sont musulmans, tous ils ont enseigné l'islam. Allah dit dans le Coran, Inna dina inda Allah l'islam, c'est-à-dire, certes, la seule religion que Dieu agrée, c'est l'islam. Donc, il y a des orateurs qui disent des choses aussi, donc, comme on a dit, contraires au Coran, comme donc, des rabaissements envers les prophètes ou renier des choses confirmées dans le Coran, comme renier le caractère interdit du porc ou de la viande qui n'est pas égorgée, ou certains qui renient le fait que l'enfer reste éternellement, alors que c'est dans le Coran, il est confirmé dans plusieurs ayats que l'enfer reste éternellement. Allah dit dans le Coran, Khalidina fiha abada, c'est-à-dire ils y restent éternellement sans fin, concernant les mécréants. Et bien sûr, dans le hadith, parmi les questions qu'il a posées, on l'a vu sur les signes de la fin du monde, mais avant cela, il a posé sur la foi. Et le prophète, il a dit, An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. C'est-à-dire que tu crois en Dieu, en ses livres, en ses anges, en ses prophètes, en le jour dernier, et que tu crois que Dieu a prédestiné le bien et le mal. Donc c'est les six piliers de la foi. Croire en Dieu, en ses livres, en ses anges, en ses prophètes, en le jour dernier, et croire que Dieu a prédestiné le bien et le mal. Celui qui n'a pas ces six piliers-là, il est mécréant. Même s'il reconnaît l'existence de Dieu, on dit qu'il reconnaît l'existence de Dieu, mais il n'est pas croyant. Donc le seul croyant, celui qui est musulman. Donc celui qui a une mauvaise croyance, qui imaginait des choses, il les adorait, ou il croyait qu'un prophète n'est pas musulman, ou il croyait qu'il y avait une autre religion valable autre que l'islam, ou quelqu'un qui a insulté Dieu, ou quelqu'un qui s'est dit non musulman, même par plaisanterie, celui-là, il lui est utile que de revenir à l'islam par les deux témoignages. En disant, il n'est de Dieu que Dieu, et Mohammed est le messager de Dieu. C'est pas en disant Astaghfirullah. Que ce soit quelqu'un qui voulait rentrer en islam, ou il a commis une mécréance, qui était musulman, il a commis une mécréance, et qui voulait redevenir musulman, c'est pareil. Une seule solution, c'est témoigner. Bien sûr, c'est pas une condition de témoigner en arabe, c'est pas une condition de se circoncire, c'est pas une condition qui est un imam, ni de se doucher. Que ce soit pour devenir musulman ou pour revenir à l'islam, c'est de témoigner, même en étant seul, de témoigner qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Si c'est pas dire Allah, il dit Dieu. Si c'est pas dire Mohammed, il peut dire Ahmed. Si c'est pas dire, il peut dire Abul Ghassim. Ou il dit Mohammed correctement, ou il dit Abul Ghassim est le messager de Dieu. Abul Ghassim, c'est un surnom du prophète, père de Ghassim. Et c'est faux ce que font certains quand quelqu'un veut devenir musulman, ils lui disent. Il faut un imam, ou il faut te circoncire, ou il faut te doucher, ou il faut apprendre l'arabe, ou il faut qu'il y ait deux témoins. Tout ceci est complètement faux. Pour devenir musulman, il suffit de témoigner qu'il n'est de Dieu que Dieu,
et que Muhammad est le messager de Dieu dans n'importe quelle langue, même en étant seul. Et retarder quelqu'un qui veut devenir musulman, ceci est de la mécréance. Le fait de lui dire qu'il faut absolument un imam, ou il faut d'abord te doucher, il faut d'abord apprendre l'arabe, ceci contredit la religion. Et ça montre leur ignorance de la religion. Et ça, c'est parmi donc les signes, justement, donc les signes de la fin du monde, c'est beaucoup d'ignorance en matière de sciences des religions, beaucoup d'ignorance. Donc des choses de base qu'on a citées, beaucoup les ignorent. Et ça, c'est parmi les signes de la fin du monde. Donc comme on a vu, si quelqu'un il a contredit ces préceptes-là de l'islam, il revient à l'islam par les deux témoignages. Il témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, que Muhammad est le messager de Dieu, en délaissant ce qui a causé la mécréance, bien évidemment. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, alayhi sallam, a dit, « Man yuridillahu bihi khayran, yufaqihu fid din, c'est-à-dire, celui pour qui Allah veut le bien, et lui facilite l'apprentissage de la religion. » Parmi les signes aussi, des gens qui se prétendent la prophétie. Et ceci est advenu. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a indiqué dans le hadith qu'après lui, il y aura une trentaine de personnes qui se prétendront prophètes, à tort. Il est arrivé à l'époque du prophète, Moussaïlim al-Kadhdhab, ses prétendus prophètes, et aussi, il y a 100 ans environ, ou plus récent peut-être, donc il y a 100 ans, il y avait un qui s'appelait Ghulam Ahmad, qui s'est prétendu prophète, donc c'était dans la région du Pakistan, de l'actuel Pakistan. Il y a des gens qui l'ont suivi, et lui en fait, il aidait les mécréants contre les musulmans, il se prétendait prophète. Et Dieu l'a fait mourir dans les toilettes. Pour l'humilier, Dieu lui a fait mourir dans les toilettes. Donc se prétendre prophète ou croire qu'il y a un nouveau prophète après le prophète Mohammed, c'est de la mécréance. Et parmi donc les petits signes de la fin du monde, le changement de l'état du climat. Ainsi, en été, il y a des périodes, ça devient comme en hiver. Et en hiver, il y a des périodes qui deviennent comme en été. Et beaucoup d'homicides et beaucoup d'injustices, ceci parmi les petits signes de la fin du monde, et le rapprochement du temps, le rapprochement des marchés, et le fait que les communautés entourent la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme entourent les gens qui mangent un plat. Et tout ceci est advenu. Donc dans le hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعة الطعام قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. Donc, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y aura un temps, les communautés vont vous entourer comme entourent les gens qui mangent un plat. Donc, un compagnon a demandé, est-ce que à cause de notre faible nombre ce jour-là, ô messager de Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: non, vous serez nombreux, mais vous serez éparpillés comme les brindilles du flot. Ainsi, les musulmans sont nombreux, mais ils sont éparpillés. Et il a dit: Et il a dit dans la suite du hadith: Allah enlèvera du cœur de votre ennemi la crainte qu'ils avaient de vous. Et il mettra dans votre cœur al-wahan, il a dit. Ils lui ont dit, c'est quoi al-wahan? Il a dit, l'amour du bas monde et le fait de détester la mort. Et parmi les signes aussi, ce qu'a enseigné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sinfani min ahli an-nari lam arahuma, ay sayatuna min ba'di, qawmun ma'ahum siyatun ka'adhnabi al-baqari yadribuna biha an-nas. ثم قال ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. Donc il a cité le prophète dans le hadith, il a dit deux groupes, je ne les ai pas, donc qui méritent l'enfer, je ne les ai pas vus, qui font partie des gens de l'enfer, je ne les ai pas vus. Donc des gens qui ont avec eux des fouets comme les queues des vaches et avec lesquels ils frappent les gens. Ensuite il a parlé des femmes, en fait, qui portent des vêtements qui ne couvrent pas toute la zone de pudeur, c'est-à-dire ils dévoilent leur zone de pudeur, et qui ils sont dans le péché et attirent d'autres dans le péché, dans les grands péchés.
attire les gens vers la fornication. Ainsi, elles lèvent leurs cheveux vers le haut pour faire croire, pour que les gens soient épris d'elles et qui marchent avec une démarche spécifique à elles. Et ceci est advenu dans le passé, à Bagdad et autres que cela. Mais ce hadith-là ne vise pas spécifiquement, de façon absolue, celles qui dévoilent un peu de leur zone de pudeur. Ce hadith parle en fait de celles qui, en plus, elles sont fornicatrices, elles font un très grand péché qui est la fornication. Et le prophète, il a dit dans la suite du hadith, « La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. » Ce hadith nous fait comprendre que celle-là mérite l'enfer. Et ceci est advenu, et le hadith a été rapporté par Muslim al-Bayhaqi et Ahmad. Et parmi les derniers des signes, des petits signes de la fin du monde, c'est l'apparition de Al-Mahdi, qui est un wali, un saint. Donc le wali, c'est celui qui fait tous les devoirs, qui vit tous les interdits, et il persévère sur des œuvres qui sont surrogatoires. Il y a le pieux, qui fait tous les devoirs, qui vit tous les interdits, donc qui apprend la science de la religion, forcément. Et supérieur à cela, il y a le saint, le wali. Comme les grands saints connus, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, quatre grands califes. Donc lui, c'est Al-Mahdi. Et son apparition est confirmée dans le hadith sahih, rapporté par Ibn Hibban dans son sahih. Et Abu Daoud dans ses sunan. Et At-Tirmidhi dans son jami', livre de At-Tirmidhi qui s'appelle jami'. Et Al-Hakim dans son mustadrak, d'après le hadith de Abdullah, fils de Mas'oud, que Allah l'agrée. D'après le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a dit, La taqumu sa'atu hatta yamlika an-nasa rajulun min ahli bayti yuwati ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi fayamla'uha qistan wa adla kama muli'at dhulman wa jawra. Donc il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui signifie, l'heure du jugement n'aura lieu qu'après que les gens soient gouvernés par un homme qui fait partie de ma descendance, qui a le même nom que le mien, et le nom dont le nom du père est le même que le nom de mon père. Il va la remplir la terre de justice et d'équité, tout comme elle a été remplie d'injustice et de tyrannie. Donc Al-Mahdi, alayhi salam, il s'appelle Muhammad. Donc c'est pas un prophète, en fait, c'est un wali. Il s'appelle Muhammad, fils de Abdullah. Donc il a le même nom que le nom du prophète, et le nom de son père est le même nom que le nom du père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'appelle Muhammad, fils de Abdullah. Il est Hassani ou Husayni, c'est-à-dire descendant de l'Hassan ou l'Husayn, les deux fils de Fatima, la fille du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Fatima, que Allah l'agrée. Il a été rapporté que au début, avec lui, il y aura un ange qui appelle « Ya ayyuhannasu hadha khalifatullahi al-mahdiyu fattabi'uhu » C'est-à-dire, où vous les gens, ceci est le calife agréé par Allah, Al-Mahdi, suivez-le. Il a été rapporté aussi que Al-Mahdi, il va sortir en premier de Médina et sortira avec lui donc 1000 anges qui vont l'aider, lui donner des renforts et l'attendront à la Mecque 300 parmi les awliya, les walis, les saints, qui seront les premiers qui vont lui accorder, lui donner le pacte d'allégeance. Ensuite sortira une armée pour le combattre. Et Allah Ta'ala fera que la terre les ensevelit entre Mecca, la Mecque et Médine. Ensuite il va aller à Hacham. Il va aller à Hacham. Et dans les jours de Al-Mahdi, il y aura une famine. Et le croyant complet, celui qui fait tous les devoirs, qui vit tous les interdits, lui sera rassasié en évoquant Allah, en faisant at-tasbih, subhanallah, et at-taqdis, en faisant donc en évoquant Allah et en le glorifiant. Donc ça, c'est les petits signes. Après cela, il y a les grands signes. Les grands signes sont au nombre de 10, qui sont la sortie de Ad-Dajjal, du faux Messie, la descente de Isa, alayhi salam, la sortie de Ya'juj et Ma'juj, le lever du soleil de son couchant, la sortie d'une bête, la bête de la terre, en fait. Après cela, donc aucun repentir ne sera accepté. Donc Allah n'acceptera pas de repentir. C'est-à-dire aucun repentir ne sera agréé.
Et le lever du soleil de son couchant et la sortie de cet animal, en fait, ces deux signes arrivent en un même jour, entre Sobah et Adduha, le début de la journée, en fait. Et cet animal-là, cette bête-là, parle aux gens et distingue entre le croyant et le mécréant. Et met un signe sur le mécréant qu'il est mécréant, sur le croyant qu'il est croyant, et personne ne peut s'échapper d'elle. Ensuite, il y aura donc une fumée, Dukhan, qui est citée dans Sourate Ad-Dukhan. Une fumée qui vient, qui descend et qui se propage sur terre, et les mécréants failliront en mourir de tellement donc de l'intensité de suite à l'intensité de cette fumée. Mais pour le musulman, pour lui, ça sera comme un rhume en fait. Et les autres grands signes, c'est trois khusuf, en fait, ensevelissement, ouverture de la terre en fait. La terre s'ouvre et avale ce qu'il y a par-dessus. Trois, il y en aura trois, un à l'est et un à l'ouest et un dans la péninsule arabique, l'Arabie. Et cela n'adviendra qu'après la sortie du faux Messie et la descente de Isa alayhi salam. Et ces trois ensevelissements auront lieu dans des temps proches. Et donc, comme on l'a dit, l'ensevelissement ici, c'est la terre se fissure et donc absorbe, avale ce qu'il y a par-dessus. Et il se peut que ces trois ensevelissements aient lieu en même temps. Le deuxième signe, grand signe, c'est un feu qui sort de Adan. Adan est une terre au Yémen, en fait. Donc, un feu qui va sortir et qui va obliger les gens à aller vers l'ouest. C'est-à-dire, le feu avance doucement et les gens s'enfuient du feu vers l'ouest. Maintenant, nous allons citer certains détails concernant ces signes, parmi lesquels, donc, la sortie de Ad-Dajjal. On l'appelle Al-Masih Ad-Dajjal, le faux Messie, Al-Masih Al-Kadhdhab, donc la sortie du faux Messie, c'est parmi les grands signes de la fin du monde. Il a été rapporté qu'il va sortir entre le Cham et l'Irak. Entre Cham et l'Irak. Cham, c'est toute la région Palestine, Jordanie, Syrie et Liban. Ça s'appelle Cham. Et à ce moment-là, le Mahdi, lui, sera à la conquête de Constantinople. Et Al-Masih Ad-Dajjal est écrit sur son front mécréant, kafir. Et beaucoup de femmes vont le suivre. Donc lui se déplace beaucoup dans la terre. C'est pour cela qu'on dit Al-Masih, qui vient de Siyaha, déplacement. Ainsi, il va se déplacer dans presque toute la terre en un an et demi. Donc il va dans tous les endroits par la volonté d'Allah, sauf la Mecque et Médine, il ne peut pas y entrer. Ainsi, il a été rapporté quand il arrive vers Médine. Il va trouver sur chaque porte de Médine un ange avec une épée brandie. Il va donc s'enfuir. Il est étrange dans ses déplacements. Il n'est pas comme nous. Ainsi, Allah a voulu que cet homme-là soit une cause d'égarement pour certains des esclaves. Allah guide qui veut et égare qui veut. Allah lui facilite le déplacement dans la terre avec une manière donc étrange. Et il va égarer les gens là et là et là. Il dit aux gens qu'il est leur seigneur. Et il fait des illusions. Les juifs font croire en lui. Et d'autres pour qui Allah a prédestiné l'égarement autre que les juifs. Et comme on l'a dit, beaucoup de femmes aussi. Donc on l'appelle le faux messie. Donc il a été rapporté dans le hadith que celui qui récite les 10 premières ayats de Sourate Al-Kahf, il sera préservé donc de la discorde du faux messie. Donc les 10 premières ayats de Sourate Al-Kahf. Donc, quand on va sortir le faux Messie, ceux qui vont croire en lui, ils vont être rassasiés. Ce sera donc une cause d'égarement pour eux. Ainsi, ceux qui vont le suivre, Allah leur facilite la subsistance pour que ce soit une cause d'égarement pour eux. Et les croyants qui ne le suivent pas, ne croient pas en lui, ils auront comme épreuve donc une famine. Et Allah Ta'ala leur facilite pour supporter cela par l'évocation. C'est-à-dire, ils évoquent Allah, ils font sa glorification. Et Allah leur facilite donc pour ne pas donc avoir de nuisances à cause de la faim. Et quand il va descendre Issa, donc c'est parmi les grands signes, la descente de Issa, alayhi salam, car bien sûr Issa n'a pas été crucifié, il a été élevé au ciel, il est toujours vivant, il va redescendre, on va citer parmi les grands signes de la fin du monde. Donc c'est Issa qui va le tuer en fait en Palestine, dans un village qui s'appelle Al-Lud. Après cela, il y aura un grand apaisement.
Al-Mahdi va rencontrer Isa quand il va descendre. Et pour une fois, le prophète Isa va laisser Al-Mahdi faire imam dans la prière, donc imam, pour montrer l'honneur de la communauté du prophète Mohammed et pour montrer que lui, il est descendu pour appliquer la loi du prophète Mohammed sur la terre. Mais bien sûr, on l'a vu, tous les prophètes, ils ont la même religion. Ce qui change, c'est la loi, le nombre de prières, la zakat, etc. Mais tous, ils ont enseigné que Dieu il est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'il n'a pas de fils, qu'il n'habite ni les cieux ni la terre, qu'il existe sans endroit et sans comment, et qu'il ne dépend pas du temps. C'est ce qui est cité dans tous les livres révélés, le Coran, la Torah, l'Évangile, les psaumes. Sauf que les mécréants, ils ont falsifié la Torah et l'Évangile. Mais l'islam, donc, bien sûr, existe avant Mohammed, existe avant les humains, car tous les anges sont musulmans. Et au début de l'humanité, pendant 2000 ans, il n'y avait que des musulmans. C'est l'époque de Adam, Shith et Idris. Donc Adam, c'est le premier homme, premier prophète. Il a enseigné l'islam. Adam, il avait une belle apparence, il était grand. Il avait 60 coudées de haut, c'est la taille qu'auront les gens du paradis. Et il avait l'âge de 33 ans quand il a été créé. Et Issa, alayhi salam, il a été élevé au ciel à l'âge de 33 ans. C'est l'âge qu'auront les gens du paradis. Donc au début, il n'y avait que des musulmans pendant 2000 ans. C'est après 2000 ans qu'il y a des gens qui commençaient à adorer des représentations. Après, il y a eu des mécréants. Et après, Dieu a envoyé le quatrième prophète, Nuh, alayhi salam, pour appeler les gens à l'islam. Donc tous les prophètes, ils ont enseigné l'islam. Et tous, ils ont une belle apparence. Ils ont une belle apparence, ils n'ont pas de maladies qui repoussent les gens. Il n'arrive pas aux prophètes des maladies répugnantes telles que la lèpre ou des vers qui sortiraient de leur corps. Ça n'arrive jamais aux prophètes. Donc faire attention aux fausses histoires que racontent certaines personnes. Donc Adam, il ne ressemblait pas au singe et il n'était pas laid, il avait une très belle apparence, comme c'est dit dans le Coran. Et c'est lui qui a enseigné aux humains les choses de base. Donc il n'était pas sauvage. Dieu lui a donné les connaissances de base, fabriquer le tissu, tissage, la forge, semer le blé, faire le pain, faire une construction, parler les langues. Et c'est lui qui a enseigné aux humains les langues. Donc après, en fait, Isa, lui, va faire imam. Parce que le prophète est meilleur que Al-Mahdi, qui est un wali, un saint. Les meilleurs des créatures sont les prophètes. Allah dit dans le Coran, wa kullan faddalna 'ala al-'alamin, c'est-à-dire tous nous leur avons accordé un degré plus élevé par rapport au reste des créatures. Donc, ainsi, à l'époque de la descente de Isa, il y aura un grand apaisement, une grande facilité et une grande paix. Et la terre sortira ce qu'elle contient comme or ou point qu'on ne trouvera personne qui accepterait l'aumône, c'est-à-dire plus de pauvres, tellement il y aura des richesses. Au point que même les serpents et les loups ne nuisent plus aux gens. Donc ça c'est l'époque de Issa, donc on va y revenir pour la descente de Issa. Et le faux messie en fait, le faux messie est un homme des fils de Adam, c'est un humain en fait. Et le plus probable qu'il fait partie des fils de Israël. Donc les fils de Israël, c'est des descendants du prophète Israël. Israël, c'est Jacob, le prophète Israël. Il avait 12 enfants, parmi eux Binyamin et Youssef. Donc lui, Israël, il s'appelle Jacob, c'est le fils de Ishaq, qui est le fils de Ibrahim. Bien sûr, il est musulman, comme tous les prophètes sont musulmans. Et de ces 12 enfants, il y avait 12 tribus. Après, ça faisait les 12 tribus des fils de Israël. Après, ça fait tout un peuple, et il y avait parmi eux des musulmans, il y avait des mécréants. Et Moussa Moïse est parmi les fils de Israël. Bien sûr, il était musulman, les gens qui l'ont suivi, c'est des musulmans. Et les gens qui l'ont démenti, qui ne l'ont pas suivi, comme ceux qui ont adoré le veau, ceux-là, ou ceux qui ont attribué à Dieu le fils, ceux-là sont des mécréants. Donc, le faux messie, lui, le plus probable, c'est qu'il fait partie des fils d'Israël, et donc il est borgne, en fait. Et il existe actuellement, il est emprisonné sur une île, dans la mer. Les anges l'ont emprisonné là-bas. Et cette île n'est pas connue pour les gens. Et un compagnon l'a vu, le compagnon Tamim ibn Aous. Il l'a vu visuellement. En fait, ce compagnon, il était sur un bateau avec des gens avec lui. Et ils sont perdus pendant un mois dans la mer. Ensuite, ils sont arrivés à une île. Il a trouvé un homme fort, ayant une grande corpulence, en fait, attaché avec des chaînes. Et il leur a parlé avec la langue arabe, en langue arabe. Il leur a dit, moi, je suis un tel. Il leur a posé des questions. Est-ce qu'il est arrivé ceci? Est-ce qu'il est arrivé ceci? Et il leur a parlé du prophète. Il leur a dit, est-ce que le prophète arabe est apparu? Et par la suite, donc, le prophète, il a reçu la révélation, pareil de ce qu'il a vu, ce compagnon, de Ad-Dajjal. Donc, le prophète, il a reçu la révélation. Et ce borgne-là, comme épreuve pour les gens,
Allah Ta'ala fait apparaître sur ses mains des choses donc extraordinaires, qu'on appelle en arabe istidraj en fait, parce que lui il va faire le mal avec cela. On n'appelle pas miracle bien sûr, parce que le mot miracle c'est pour les prophètes, c'est les choses extraordinaires qui arrivent sur les mains des prophètes, qu'on ne peut pas contrecarrer par quelque chose de semblable comme la magie, comme le bâton de Moussa qui se transformait en véritable serpent et qui a mangé les cordes des magiciens que Pharaon a ramenés et par la suite sont tous devenus musulmans, comme cela est expliqué dans le Coran, ou Issa qui réveillait les morts par la volonté d'Allah et qui soignait celui qui était né aveugle avec sa noble main. Ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a pointé sa main vers la lune et s'est divisé en deux. Et les gens ils ont vu, ou de l'eau aussi qui est sortie d'entre ses doigts, et 1500 personnes ont bu de cela, ils en ont fait leur ablution. Ils ont fait leur ablution avec. Et parmi les choses étonnantes, qui va couper un homme en deux. Il va couper un croyant, un musulman en deux, ce faux messie, parce que cet homme-là, il ne le croit pas. Il le considère comme menteur. Donc il va le couper en deux, après il va le faire revivre par la volonté d'Allah. Et l'homme va dire, cela m'a augmenté qu'en démenti envers toi. Et donc aussi, il va dire au ciel de pleuvoir, et le ciel pleut. Et il va dire à la terre de sortir ses plantes, et elle va sortir ses plantes. Avec lui, deux rivières, une de feu, et qu'en réalité c'est une fraîcheur pour les croyants, une autre d'eau, et en réalité qui est un feu pour les croyants. Et au début de son apparition, le jour sera comme une année, ensuite un jour comme un mois, ensuite un jour comme une semaine. Et avant sa sortie de 3 ans, donc le ciel, donc en fait il en pleuvra que les deux tiers de ce qui est habituel. Parce que il faut savoir en fait que donc l'eau, la quantité d'eau qui descend, donc l'ensemble de la quantité est le même chaque année. Ce qui change, c'est la répartition en fonction des régions. Et bien, cette quantité globale, il va en manquer un tiers, 3 ans avant la descente, la venue du faux Messie. Ensuite, 2 ans avant sa venue, il en manquera deux tiers, c'est-à-dire il va en pleuvoir qu'un tiers de la quantité habituelle. Et une année avant son apparition, il manquera les 3 tiers, donc il n'y aura pas d'eau. Ainsi, il n'y aura pas de pluie. Et ce Messie va donc rencontrer Sedna Issa en Palestine, et Sedna Issa, il va le tuer. Donc, à la porte de Lod. Et Lod est un village parmi les villages de Palestine. En fait, il va le tuer avec une lance. Quant à Ya'juj et Ma'juj, ils sont à l'origine, en fait, deux tribus parmi les fils de Adam, parmi les humains. Tous sont mécréants. Et leur endroit, il est caché pour les gens, en fait, dans un coin de la terre, comme dans une sorte, quelque chose qui ressemble à une caverne. Allah Ta'ala les a voilés pour les gens. En fait, As'ab Dhul-Qarnayn, alayhi salam, qui était un grand wali, qui a vécu dans le passé lointain, il les a donc emprisonnés par la volonté d'Allah Ta'ala. Il a construit un barrage. Allah Ta'ala lui a facilité beaucoup de choses. Le vent, en fait, le portait de l'est à l'ouest. Donc, avec un prodige que Allah lui a accordé, il a construit un barrage, en fait, une montagne de fer. Ensuite, il a été fondu sur lui le cuivre. Il est devenu solide. Personne parmi les humains ne peut l'escalader de façon habituelle. Et donc eux essaient à chaque fois d'ouvrir, de creuser donc dans cette montagne chaque jour, et ils n'y arrivent pas. Chaque jour, ils disent, après un long travail, ils disent, demain on va continuer. Et le lendemain, ils trouvent ce qu'ils ont fait la veille a été refermé. Jusqu'au jour où ils vont dire, demain nous continuerons, Inch'Allah, si Dieu le veut. Ils sont mécréants, mais ils disent cette expression quand même. Et ils vont trouver ce qu'ils ont commencé donc à creuser tel quel. Et ils continuent à creuser jusqu'à pouvoir sortir. En fait, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par eux, donc la nuit de l'Isra et le Mi'raj. Donc le prophète, il a eu parmi ses miracles le voyage nocturne et l'ascension.
qu'il a donc voyagé de la Mecque à Jérusalem. Ensuite, il est monté dans les il a voyagé à travers les sept cieux. En fait, bien sûr, ici, c'est pour honorer le prophète, hein, pour qu'il voie les choses étonnantes du monde céleste. Ça ne veut pas dire qu'il aurait rencontré Dieu quelque part, car attribuer à Dieu la localisation, la quantité, l'endroit est de la mécréance. Mais en fait, et il arrivait à l'endroit dans le ciel et il a reçu la révélation de Dieu. Dieu, il a créé le ciel, Dieu existe avant le ciel, sans le ciel, Dieu existe sans endroit et sans comment, et ne dépend pas du temps, rien n'est tel que lui, et rien n'a de ressemblance avec lui. Donc le prophète, il est passé par eux, en fait, il leur a transmis l'appel à l'islam. Il leur a transmis qu'il n'est de Dieu que Dieu, et qu'il est lui le messager de Dieu, qu'il ne faut pas adorer autre que Dieu. Eux, ils ont reçu l'appel, ils se transmettent cela de génération en génération, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Donc ils sont responsables, car eux, ils vont aller en enfer. En fait, celui qui n'a lui est jamais parvenu la base de l'appel l'islam ne va pas en enfer. Celui à qui jamais n'est parvenu qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu ne va pas en enfer. Mais eux, ils auraient parvenu cela, l'appel à l'islam. Et eux, l'un d'eux ne meurt qu'après avoir donné naissance à 1000 parmi ses descendants, ou plus, et jusqu'à ce que leur nombre soit grand, comme a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc au point que les humains au jour dernier, par rapport à leur nombre, le nombre des humains au jour du jugement, par rapport à eux, c'est 1%. Donc Allah sait plus que tout autre comment ils vivent maintenant et ce qu'ils mangent. Ce qui a été rapporté, que ils ont des grandes oreilles, qu'ils dorment sur une, ils se couvrent avec l'autre, et qu'ils ont de petites tailles, ceci n'est pas confirmé. À leur époque, il y aura une famine. Ils vont passer à côté de la lagune de Tabariga, sur lesquelles maintenant il y a des bateaux, en fait, qui est en Palestine. Et ils vont la boire, et le dernier qui va passer, il va dire, ici, il y avait de l'eau. Et quand Issa va descendre du ciel, eux, ils vont être stupéfiés. Et du fait de leur grand nombre, les musulmans ne vont pas les combattre. Notre maître Issa va aller avec les musulmans à la montagne de At-Tour et il demande à Allah Ta'ala, il l'invoque, il demande son aide et son secours contre Ya'juj et Ma'juj. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il supplie Allah de anéantir ces gens-là. Allah ta'ala descendra sur eux des vers qui rentrent dans le cou de chacun d'eux et il va mourir. Et Allah envoie des oiseaux qui transportent leurs cadavres à la mer. Et il y aura une pluie qui va descendre, qui enlèvera leurs traces. Et eux, ils viennent un certain temps après la descente de Issa alayhi salam. Quant à la descente de Issa alayhi salam du ciel, ceci est confirmé avec les hadiths sahih. Ainsi, Abu Daoud a rapporté dans ses Sunan, et Ahmad dans son Musnad, et Al-Bayhaqi et d'autres, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Laysa bayni wa baynahu nabiyyun. يعني عيسى عليه السلام وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة. Dans un hadith connu, le prophète il a dit: Al-Anbiya'u ikhwatun li'Allah, dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta, wa ana awla an-nas bi'Isa ibn Maryam, laysa bayni wa baynahu nabiy. Donc il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: les prophètes c'est comme des frères du même père, leur religion est la même, c'est l'islam. Et leur loi diffère. Ummahatuhum shatta, c'est-à-dire leur loi diffère. Il a dit: et je suis le plus prioritaire des gens par rapport à Issa, fils de Maryam, il n'y a pas entre lui et moi de prophète. Parce que l'avant-dernier prophète, c'est Issa,
entre lui et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, environ 600 ans. Isa, il a été élevé au ciel, donc 600 ans environ avant la venue du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a été élevé au ciel à l'âge de 33 ans. Et il a dit, va descendre. Après, il a dit, reconnaissez-le. Il a donné des descriptions. Il a décrit, Rajul Malbu'an, c'est-à-dire qu'il a une taille moyenne, c'est-à-dire plus proche de grand que de petit. Il a donné donc une description de sa couleur. Donc on va y revenir. En fait, il est légèrement brun avec de la blancheur et de la légère blancheur rougeur, en fait. Et il a dit, comme si ses cheveux goûtaient, même s'ils ne sont pas humides, comme s'ils goûtaient. Et il va combattre les gens pour qu'ils rentrent en islam. Il va casser donc la croix, il va tuer le porc, il a été rapporté aussi les singes, il va annuler le jizya, c'est-à-dire dans la loi du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la jizya est annulée donc à la venue de Issa. C'est-à-dire Issa, il va pas accepter, parce qu'à l'époque des califes, quand il y avait les califes, les musulmans, un juif ou un chrétien qui voulait vivre dans l'état musulman, il devait payer un impôt. Et Issa va annuler cela en fait, mais ça veut dire c'est prévu dans la loi du prophète Mohammed que c'est annulé en fait à la descente de Issa. C'est-à-dire qu'il va leur demander ou de rentrer en islam ou il va les tuer. Donc à l'époque de Issa, dans le hadith, Dieu va anéantir toutes les religions autres que l'islam. Et il va tuer le faux messie aussi, et il va rester sur terre 40 ans. Et après il va mourir et les musulmans vont faire la prière funéraire sur lui. Et ça montre dans le hadith qu'il n'est pas encore mort. Donc, il a été donc élevé au ciel, il n'est pas mort encore. Il va mourir après. Et parmi les choses étonnantes qui arrivent en ce temps-là, aussi que Allah fait parler les arbres et les pierres. Ainsi, ils vont dire, ô musulmans, derrière moi il y a un juif, viens et tue-le. Sauf l'arbre Al-Gharqad n'indique pas sur eux parce qu'il fait partie de leur arbre. Donc, Isa alayhi salam, quand il va descendre du ciel, il va descendre et ses mains posées sur l'aile de deux anges. Il descend auprès de la tour blanche à l'est de Damas, comme le prophète l'a mentionné. Bien qu'à l'époque, il n'y avait pas de. Donc, à l'époque du prophète, il n'y avait pas de tour blanche à l'est de Damas. Et maintenant, elle existe telle que le prophète l'a décrite. Et il a été fait une tour pour l'aéroport qui se trouve à l'est de Damas. Et quand Issa va descendre, il va rencontrer Al-Mahdi à Hachem. Donc Hachem, comme on a dit, c'est Syrie, Liban, Jordanie, Palestine. Tout ça, c'est Hachem. Donc, dans le hadith, il montre qu'il n'est pas encore mort parce que le prophète, il a dit, après, il va mourir. Il va vivre 40 ans, après, il va mourir. Il a été rapporté dans une version dans le Sahih Bukhari sur sa couleur qu'il est Adam. Adam, c'est-à-dire brun, c'est-à-dire en fait légèrement brun avec un peu de rougeur et de blancheur. Donc, quant à la aya du Coran, donc on rappelle en fait que le Coran s'est pas permis d'interpréter le Coran de son propre avis. Et c'est pas en regardant, en bouquinant des livres pour regarder l'interprétation du Coran, mais comme l'a dit le prophète, innamal ilmu. C'est-à-dire, certes, la science de la religion est par transmission orale. Donc on demande aux gens de la connaissance. Allah dit dans le Coran, Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. C'est-à-dire, demandez aux gens de la connaissance si vous ne savez pas. Donc il n'est pas permis d'interpréter de son propre avis. Donc réciter le Coran est une science, et interpréter c'est une autre science. Ainsi, la ayah, Donc, comme on a dit, le Coran nécessite l'interprétation de savants. Ainsi, donc, on va donner un exemple sur la croyance, comme Allah dit dans le Coran, Kullu shayin halikun illa wajha. C'est-à-dire, toute chose sera anéantie sauf illa wajha. Wajha ici, ça veut dire, le Bukhari, il a dit mulk, ça veut dire souveraineté de Dieu ne sera pas anéantie. Mais il ne veut pas dire visage. Donc, attribuer à Dieu le visage et de la mécréance. Ou attribuer à Dieu les organes. Donc il y a des expressions donc qui sont citées dans le Coran qui font partie donc de la langue arabe et qui ont des sens autres que le sens apparent. Donc ainsi le prophète a dit le Coran imma huddatun laka am alayka, c'est-à-dire le Coran est une preuve ou pour toi ou contre toi. Donc ainsi la ayah qu'on a citée inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah.
Donc ici, mutawafika, donc dans le texte, c'est venu avant, mais dans le sens, ça vient après. Ça veut dire après, Allah va te faire mourir après t'avoir élevé au ciel. Ilay, ici, ça veut dire l'endroit honoré par Dieu qui est le ciel. Wamutahhiruka kafaru, c'est-à-dire pour te délivrer de ceux qui ont mécru, c'est-à-dire les juifs. Wamutawfika, c'est-à-dire Allah va te faire mourir après ton retour ta descente sur terre. Donc c'est cette interprétation qui est correcte et qui est conforme au hadith. Et c'est comme ça qu'a interprété Abdullah, fils de l'Abbas, Turjumal Qur'an, l'interprète par excellence du Qur'an, la ayah. C'est-à-dire, il l'a interprété donc en utilisant ce qu'on appelle muqaddam et muakhar, c'est-à-dire le terme il est antéposé, mais le sens il vient après. Le terme ça vient avant dans le texte, mais dans le sens ça vient après en réalité, comme une autre ayah où il est dit walladhi akhraja al-mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. C'est-à-dire Allah qui a fait sortir les herbes et il a fait Routha, sec et cassant, vert. Ici, dans le texte, il est cité que la plante, dans l'ordre du texte, que c'est sec et cassant, vert. Alors que non, en réalité, la réalité est que l'herbe est d'abord verte et après elle devient sèche. Donc c'est une forme, en fait, de rhétorique. Ça, et donc pour montrer que c'est la même manière qu'a été expliquée la ayah, où il est cité dans le texte te faire mourir après. C'est cité t'élever au ciel, mais en réalité c'est il a été élevé au ciel après il va mourir. C'est comme ça l'interprétation et c'est une figure de rhétorique dans la langue arabe en fait. Et le Coran c'est en langue arabe, donc c'est une interprétation. Là on a donné un exemple d'interprétation de savant de l'islam qui est le cousin du prophète. Là c'est Abdullah fils de l'Abbas qui est le cousin du prophète, donc qui est le compagnon, grand compagnon. Donc c'est pas chacun son avis ou je donne mon avis, non. C'est l'avis des grands savants de l'islam, donc, et c'est l'interprétation conforme au hadith, car le Coran ne se contredit pas et les textes de la religion ne se contredisent pas. Donc, mais il n'est pas permis d'interpréter la ayah en disant qu'il est mort avant d'être élevé au ciel. Ça, c'est contraire à la religion, contraire au hadith qu'on a cité, qui va descendre et qui va mourir après. Donc, il y a l'histoire intéressante, à savoir, qui a été rapportée par Ibn Abi Hatim et An-Nasa'i, d'après Abdullah, fils de l'Abbas. Donc c'est le même qui a interprété l'ayah qu'on vient de citer. Il a dit, Isa était avec 12 de ses compagnons dans une maison. Et il a dit, certains d'entre vous vont devenir mécréants pas après avoir été croyants. Certains ils vont devenir mécréants après avoir été musulmans. Ensuite il a dit, lequel d'entre vous souhaite avoir ma ressemblance et il sera tué à ma place et il sera mon compagnon au paradis. L'un des plus jeunes s'est levé et il a dit, moi. Il lui a dit, assois-toi. Il lui a dit de s'asseoir, assois-toi. Isa, alayhi salam, il a répété la demande et le même, le plus jeune, est revenu. Il a dit, c'est moi. Il lui a dit, assois-toi. Et il a répété une troisième fois et le plus jeune a répété une troisième fois. Il lui a dit, Antahua, ça sera toi. Et il a eu la ressemblance de Isa. Et Isa a été élevé au ciel par une ouverture dans le toit. Les Juifs sont venus et ils ont pris le plus jeune. Ils l'ont tué. À la place de Issa. Et cette histoire a une chaîne de transmission sahih, sûre. Donc ça c'est rapporté par Ibn Abi Hatim et An-Nasa'i d'après Abdullah ibn Abbas. Quant à ce que racontent certains, qu'un juif il est venu avec les juifs pour leur indiquer Issa et ils lui ont promis de l'argent, ensuite quand il est rentré et il a eu la ressemblance de Issa, ils l'ont pensé lui, ils l'ont pris, ils l'ont tué à sa place. Ceci n'est pas confirmé, mais c'est réputé chez les historiens. Mais ce qui est correct, c'est ce qu'a dit Abdullah, fils de l'Abbas, le cousin du prophète. Et vers la fin du temps, la foi va se retirer à Médine, l'illuminée, Al-Madine Al-Munawwara, comme le serpent revient dans son trou. Et donc le dernier des villes de l'islam à être anéanti, c'est Médine. Comme cela a été rapporté dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi. Akhiru qaryatin qura al-islam kharaban al-Madina. Et il est indispensable que Médine soit meilleur état qu'autre qu'elle.
dans le passé et dans le futur. Et c'est ce qui est visé par le hadith rapporté par Muslim. Inna al-iman la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu ay tanzawi al-hayatu ila hujriha. C'est-à-dire, la foi va se retirer à Médine comme se retire le serpent dans son trou. Et les Wahhabites, justement, la secte des Wahhabites, ceux qui disent à tort des Salafites, donc ceux qui ont pris le pouvoir il y a 250 ans en Arabie, donc ils contrôlent, gouvernent donc à la Mecque et à Médine, mais à Médine, il y a des musulmans à la Mecque aussi, monsieur. Et on parle des Wahhabites qui, eux, ils gouvernent là-bas, en fait, avec la famille Saoud. En fait, ils ont pris le pouvoir avec l'aide de donc un livre s'appelle Humphrey, The British Spy in the Middle East. Il a créé un livre sur cet espion, comment il a rencontré Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a formé avec lui la secte des Wahhabites, que enseigne aux gens la croyance des Juifs au nom de l'islam. Ils prennent juste l'apparence, mais comme on sait dans l'islam, l'apparence toute seule ne suffit pas, sans la bonne croyance. Eux, ils assimilent Dieu à ses créatures, ils déclarent mécréants les musulmans sans raison. Eux, donc ils gouvernent jusqu'à maintenant à la Mecque et Médine, et eux, ils ont contredit le hadith du prophète, là, qu'on vient de citer. On a dit quoi dans le hadith du prophète? Il a dit que la foi va se retirer à Médine comme se retire le serpent dans son trou. Et eux, ils ont contredit cela, dans son hadith, le prophète, il a montré le mérite de Médine, la supériorité de mérite de Médine. Et eux, ils ont contredit, ils ont donné la supériorité à leur région à eux qui s'appelle Najd. Najd, où il y a leur capitale, là, Riyad. Riyad, d'où il est sorti leur leader, en fait, Mohammed ibn Abdul Wahhab, le prophète, il a dit, de là viendront les forces du mal. Minhayat l'arqan shaitan. Parce que le prophète, une fois, alayhi salatu wassalam, il faisait le dua, Allahumma barik fi Shamina wa Yamanina, c'est-à-dire, oh Allah, accorde la baraka en notre Sham et en notre Yaman. On a expliqué c'est quoi Sham. Ils lui ont dit, wa fi Najdina, il y a des compagnons, ils ont dit, en notre Najd, il y a des compagnons qui étaient de Najd, l'Est, où il y a Riyad. Il a dit, le prophète, il n'a pas répondu, il a refait le même doua, Allahumma barik fi Shamina wa Yamanina, oh Allah, accorde la baraka en notre Sham et en notre Yaman. Troisième fois, ils ont redemandé, et le prophète, il a fait le même doua, il a dit concernant Najd, min hayat la uqan shaitan, de là viendront les forces du mal de shaitan. Et de là est venu Mohammed ibn Abdul Wahhab il y a 250 ans et il a fait beaucoup de mal. Ils ont tué des musulmans, ils tuaient le petit dans le bras de sa mère, ils massacraient les musulmans petits et grands. Et à la fin du temps, le Coran sera élevé au ciel, il ne restera aucune aya du Coran sur terre. Et à ce moment-là va mourir Al-Khadr, alayhi salam. Al-Khadr, c'est un prophète qui vit actuellement sur la mer, sur les plages. Donc c'est un prophète, il est cité dans le Coran, dans Sourate Al-Kahf, justement. Il a rencontré le prophète Moussa, alayhi salam. Il a rencontré le prophète Moussa, il s'est passé une histoire entre eux. Et il est toujours vivant, ce prophète-là, il vit sur la mer. Et il va mourir quand le Coran sera élevé. Et certains gens à qui Dieu accorde un certain grand saint, par le passé, ils ont rencontré Al-Khadr. Donc après l'advenue des 10 grands signes de la fin du monde, il y aura l'heure du jugement qui se lèvera sur les mécréants. Parce qu'en fait, 100 ans avant la fin du monde, il y aura un vent qui va venir en dessous de l'aisselle de chaque musulman. Il va mourir tous les musulmans. Tous les musulmans vont mourir et il n'y aura que les mécréants et l'heure du jugement se lèvera sur eux. Donc Israfil, alayhi salam, l'ange Israfil, donc les anges, c'est des esclaves honorés de Dieu qu'il faut respecter, tous sont musulmans, ils ne sont ni mâles ni femelles. Ils peuvent prendre l'apparence d'hommes sans l'appareil génital mâle. Donc il y a les grands anges, comme Djibril, le plus grand des anges, mais comme on a dit, les prophètes sont meilleurs que les anges. Et parmi les grands anges aussi, il y a Israfil qui va souffler dans le corps, et ils vont être terrifiés de ce son terrifiant. Et leurs cœurs vont se déchirer, ils vont mourir. Donc suite à l'intensité de ce son-là. De même, les djinns mécréants vont mourir aussi. Donc il n'y aura aucun djinn né humain sans qu'il soit mort. Quant à ceux qui sont morts avant cela, ils vont s'évanouir. Sauf les martyrs de guerre, martyrs de combat, ils ne vont pas s'évanouir à ce moment-là. Dès qu'on rappelle martyr, celui qui combattait donc par recherche de l'agrément d'Allah Ta'ala,
C'est pas celui qui s'est suicidé, c'est pas celui qui tue les musulmans. Donc combattre les mécréants dans la parasha de l'agrément d'Allah, il est mort. Mais celui qui s'est suicidé, c'est un grand péché. Se suicider, c'est un grand péché. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: An-nasu yus'aquna yawm al-qiyamati fa akunu awwalu man yufiq fa idha ana bi Musa akhidhun bi qa'imatin qawa'im al-'arsh fa la adri afaqa qabli am juziya bi sahqati at-turi. Rapporté par le Bukhari. Et les prophètes, quand ils vont s'évanouir, ils n'auront pas de douleur. De même, les pieux n'ont pas de douleur. Et quand le prophète va se réveiller, il va trouver Moussa, alayhi salam, qui tient un pilier du trône. Et il n'a pas su est-ce qu'il a été épargné de cela ou il lui est arrivé cela et après il s'est réveillé avant lui. Donc on rappelle, le trône, c'est le plus grand corps que Dieu a créé. Et Dieu n'a pas besoin de ses créatures, bien évidemment. Attribuer à Dieu le besoin et de la mécréance. Allah dit dans le Coran: Allahu Samad. As-Samad, ça veut dire celui qui n'a besoin de rien et toutes les créatures ont besoin de lui. Et le grand compagnon, l'imam Ali, il a dit: Inna Allaha khalaqa al-arsha idhara li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi. C'est-à-dire, certes, Dieu a créé le trône comme manifestation de sa toute-puissance et il ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. Certes, Dieu a créé le trône comme manifestation de sa toute-puissance et il ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. Donc, après la mort des humains, vont mourir les anges et le dernier qui va mourir, c'est l'ange de la mort. Donc, le dernier qui va mourir, c'est l'ange de la mort. Donc l'ange de la mort, c'est Azraïl, alayhi salam, c'est lui qui prend l'âme des gens au moment de la mort. Certains savants ont dit excepté, ils seront exceptés, les anges chargés du paradis et ceux chargés de l'enfer, et les anges qui portent le trône, et les femmes du paradis, et les serviteurs du paradis. Donc il y a en fait quatre, les anges les plus gigantesques, ceux qui portent le trône, il y en a quatre. Au jour dernier, ils seront huit pour montrer l'importance de ce jour-là, l'imminence de ce jour-là. Mais bien sûr, Dieu n'a pas besoin du trône, n'a besoin d'aucune de ses créatures. Attribuer à Dieu l'établissement, la localisation, la position assise, le contact, ceci, c'est de l'association, c'est de la mécréance. Dieu, rien n'est tel que lui et rien n'a de ressemblance avec lui, quoi que tu puisses imaginer, Dieu, on est différent. Ensuite, après cela, donc, 40 ans en fait après le premier soufflement dans le corps, Allah fait revivre Israfil et Israfil souffle une deuxième fois dans le corps et après cela, les gens sortent de leur tombe pour l'exposition des actes. Donc Allah Ta'ala dit: "Wa nufikha fi s-suri fa sa'iqa man fi s-samawati wa man fi l-ard illa man sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun." Donc après cela, on a dit, donc les gens ils sortent de leur tombe. Ils sortent de leur tombe, chacun un ange devant lui, un ange derrière lui. Donc le premier qui sort de la tombe, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes. Donc après, il y a l'exposition des actes, il y a la balance, le pont, l'enfer, l'intercession. Donc ainsi, celui qui meurt mécréant, c'est l'enfer pour l'éternité. Et celui qui meurt croyant, s'il a fait tous les devoirs, il a évité tous les interdits, il rentre au paradis sans châtiment. Ici, il est mort sur les grands péchés. Il y en a à qui Dieu pardonne, mais ils n'auront pas le même degré au paradis que ceux qui étaient pieux. Et il y en a qui se font châtier pour un certain temps. Après, ils sortiront de l'enfer. Mais celui qui meurt mécréant, il ne sortira jamais de l'enfer, même s'il a fait, il a aidé les pauvres et les nécessiteux dans sa vie. Il n'a pas de récompense dans l'au-delà. Dieu le récompense dans cette vie-là. Allah Ta'ala dit: Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. C'est-à-dire, les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Donc il n'y a pas de récompense dans l'au-delà sans la bonne croyance, qui est la croyance de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad. Allah Ta'ala dit: Wa man yabtaghi ghayra al-islam deena falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. C'est-à-dire, celui qui prend pour religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Il sera parmi les perdants le jour dernier. Donc l'islam, c'est l'unique religion valable, l'unique religion céleste. Et croire le contraire de cela est de la mécréance. De même, aider à la mécréance est de la mécréance. Aider à quelqu'un à prononcer ou à faire la mécréance, ou approuver la mécréance d'autrui est de la mécréance.
Donc faire attention à cela. Et la mécréance, c'est le péché que Dieu ne pardonne pas. Pour celui qui meurt chargé de cela, c'est trop tard. Il sortira jamais de l'enfer. Mais quelqu'un qui meurt musulman, même s'il a fait des grands péchés, il reste pas éternellement en enfer. Certains y vont aller en enfer, mais ils resteront pas éternellement. Donc la meilleure des œuvres, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit afdalul a'mali imanu billahi wa rasulih, c'est-à-dire la meilleure des œuvres est la croyance en Allah et en son messager, rapporté par le Bukhari. Ça, c'est la meilleure des œuvres. Et le plus grand bienfait que Dieu accorde à la personne, c'est d'être sur l'islam. Car c'est Dieu qui guide qui veut et gare qui veut. C'est Dieu qui crée le penchement dans le cœur vers le bien ou vers le mal, vers la foi ou la mécréance. Et Dieu fait ce qu'il veut, Dieu n'a pas de compte à rendre. Il dit dans le Coran, La yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun, c'est-à-dire, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, et les esclaves seront interrogés. Dieu fait ce qu'il veut, et le plus grand bienfait que Dieu accorde à la personne, c'est d'être sur la foi. Ça, c'est le plus grand bienfait. Allah dit dans le Coran, وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. C'est-à-dire que les gens du paradis vont dire la louange à Dieu qui nous a guidés à cela, et nous n'aurions pas été guidés si Dieu ne nous aurait pas guidés. Donc celui qui a commis une mécréance, il n'est utile que de témoigner qu'il n'est de Dieu que Dieu, que Mohammed est le messager de Dieu, en délaissant ce qui a causé la mécréance. C'est comme ça qu'il revient à l'islam, et c'est comme ça qu'aussi que la personne rentre en islam. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طاهر الأمين اللهم يسر أمورنا فرج كروباتنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين